applaudir. Elle a fait ici, à Saint-Martin-Roux, le voyage. Elle se fait attendre, on peut encore faire du bruit pour qu'elle arrive. Allez, on l'encourage. Pour ce titre mondial, pour cette ceinture que vous avez vue sur la table à côté du ring. Et face à elle, elle nous vient du nord de la France. Elle a 70 combats à son actif, dont 64 victoires. Elle est championne de France amateur, championne d'Europe amateur, championne de ring d'Europe en kickboxing, championne du monde en kickboxing. Elle fait partie du team Lamouret. Elle est accompagnée de Maxence Lamouret, de Bélaïde et de Julien. Je vous demande d'accueillir mademoiselle Élie Massu. Élie Massu. Émilie Massu. Elles sont fait attendre, faites un maximum de bruit, on tape les pieds. Des mains, c'est la Française qui vient également pour remporter ce titre mondial. Allez, GFCT, on l'encourage. Mais comme on est dans un titre mondial, ISKA international, nous allons avoir droit aux hymnes nationaux, messieurs-dames. Donc tout d'abord, nous allons commencer par l'hymne national italien. L'hymne national italien, on peut applaudir. On peut applaudir après l'hymne national italien, l'hymne national français.
Bravo, les encourage s'il vous plaît un maximum pour ce 10 fois 2 minutes. Pour ce titre mondial, le combat va commencer. C'est le dernier combat de ce GFCT numéro 6, une belle édition. On a eu peur, on a un petit peu peur parce qu'il y a les nuages qui s'amoncellent, mais on est sur la fin, ça devrait être bon. Il ne faudra pas traîner pour démonter le matériel. Mais ce fut vraiment une belle fête du full contact. Vous retrouverez un reportage assez large, écrit photo. Il y a la rediffusion des combats sur la chaîne GFCT. La production est signée Axwoo. Je vous l'ai dit, j'en reparlerai un petit peu parce que c'est une découverte et c'est une belle découverte. C'est un beau concept. Et à une époque où les chauds pieds-points partent un petit peu dans tous les sens, besoin de se recentrer, c'est peut-être avec ce genre de structure que l'on pourra repartir du bon pied et proposer quelque chose au grand public. Voilà. Il faut qu'il y ait des gens dans les salles, c'est un fait, mais que les gens qui ne puissent pas accéder aux salles puissent regarder des combats chez eux, dans de bonnes conditions. Ce qui est le cas aujourd'hui. Allez, Emily Machu qui a une petite baisse de forme. Hein. Il y a quelques jours, mais qui s'est bien reposé, qui a géré son poids tranquillement, voilà, sans faire trop d'efforts, et qui est en forme. J'ai discuté avec elle hein, tout à l'heure. Après la température, ça va. Hein. Comment elle se sentait? Non, elle se sent bien, elle est bien. Hein. On le voit, elle est bien affûtée. C'est un main event, alors c'est bien, il faut souligner que Saïk Balmont a le courage de faire un main event féminin. Alors ce qui n'est pas toujours vrai dans les soirées pieds-points. Et je trouve ça bien parce que les filles font beaucoup de choses. Il faut regarder hein, l'actualité en ce moment, elle est vraiment occupée par les boxeuses. Alors pas toujours parce qu'elles sont sur le ring, malheureusement. Je pense à Anissa Mexen qui attend encore et encore son combat, son premier combat au One Championship qui fait un peu n'importe quoi. Cindy Sylvestre qui est en attente du TIE Fight. Qui elle aussi, bon, s'entraîne, sans relâche. Et que l'on verra en Bark Knuckle le 8 août, avec une armada de Français. Il y a Johan Lidon, il y a Jonathan Maiezo qui est du coin. Enfin, tout un tas de boxeurs comme ça, j'ai plus tous les noms en tête. Mais c'est vrai que les filles font beaucoup de choses et sont trop souvent oubliées. Donc, c'est bien. Il y a Myriam Djedili qui a pris la ceinture WMC il y a deux jours. Hein, c'était au Muay Thai Night 6. On a des boxeuses de talent qui sont capables d'assumer largement une tête d'affiche autant que les hommes. Alors 10 reprises de 2 minutes, c'est long. Hein. C'est long à gérer. L'Italienne a décidé d'en découdre tout de suite. C'est assez étonnant hein, d'ailleurs. Parce que d'une manière générale. On prend son temps, voilà, on s'analyse un round ou deux. Mais là non. C'est parti tout de suite. Emily Machu, coachée par Maxence Lamour, est évidemment incontournable. De Ternier qui fait plein de choses lui aussi pour la boxe dans sa région. Propose de beaux événements. Le Fight Stadium pour ne pas le nommer, donc c'est bien. Allez, deuxième reprise, il y en aura 10 dans ce championnat du monde ISK. Dernier combat main event de ce GFCT pardon, 2021. Une belle édition. C'est un peu la renaissance, hein. faut pas se leurrer. Il y a eu de la boxe pied-point à Persan avec Asanaza, avec Eric Angio à Menton ce week-end. Et puis on finit le week-end avec Cédric Balmont ici à Saint-Martin-le-Haut. Et c'est une bonne chose. Petit à petit, le pied-point reprend sa place. Faut pas se leurrer, hein. Il y a eu beaucoup de malheureux pendant la période Covid. Votre serviteur, le premier. C'est une période dont tout le monde se souviendra, hélas.
Les boxeurs Pépoint ont été un petit peu laissés sur le côté, abandonnés trop, beaucoup trop. La semaine prochaine, hein, il y aura Nabil Mazari avec la Fight Night One numéro 9. La semaine d'après, ce sera Villejuif avec le Villejuif Boxing Show numéro 3. Et puis on finira la saison le 31 juillet, avec le Phoenix Muay Thai chez Anthony Perrin à côté d'Aix-en-Provence. On va profiter pour remercier Bancho, qui est une marque qui soutient ce que fait Cédric Balmont, et ça c'est une bonne chose. C'est un concept hein, de plusieurs personnes et je trouve ça bien. C'est un bon produit, qualité, vestimentaire, n'hésitez pas, Bancho. Et Machui qui marque tranquillement ses points, qui est la plus précise hein, quand même dans ce combat. C'est très propre. Kalin qui est un peu plus basique. Hein. On travaille des deux mains, on mouline un peu sur les flancs. Et on suit avec une jambe. Vous retrouverez hein, sur la chaîne GFCT, la chaîne YouTube. Vous retrouverez tous les combats de cette 6e édition produit par Expo. Allez, c'est la 3e reprise. Durcit un peu plus le ton là. Côté de la française. L'italienne qui est bien présente, hein, qui est solide. Le petit pas de retrait, c'est intelligent. Au son rythme quand même Émilie Machu. Même s'il y a de belles choses en face, notamment cette pique au plexus. C'est coup pour coup, hein. Je veux dire, elle lâche pas ni d'un côté ni de l'autre. Attention, le clinch est interdit en foule. Clinch, elle va se faire sanctionner. Simona Didio Martello, elle va se faire sanctionner si elle continue parce que c'est interdit. Allez, fin de cette reprise.
ça peut se jouer au mental, hein, ce genre de combat. Pourquoi? Parce que on voit bien que ni d'un côté ni de l'autre ça veut lâcher. Et il faudra trouver la faille, la petite faille qui va bien. Ça, c'est pas gagné. Hein. Il y a une ceinture mondiale, on le sait. Une victoire peut engendrer d'autres échéances. Je l'ai dit tout à l'heure sur le combat précédent chez les moins de 48 kilos. C'est dur de trouver des combats à ce point-là. Donc, c'est un peu malheur au vaincu. Donc, on est obligé d'en faire un petit peu plus, d'aller chercher la ceinture, la victoire, évidemment. Pour pouvoir prétendre après à des échéances, comme l'a fait par exemple Emily Bachu, hein, puisqu'elle a boxé au Japon. Elle a relevé un challenge qui n'était pas forcément dans sa catégorie de poids, mais bon, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a découvert un univers, hein, parce que le Japon c'est vraiment un univers. Faut se méfier hein, de l'anglaise, de l'italienne. Les points sont redoutables. Oh, la touche avec le crochet, Billy Bachu. C'est venu en contre. Elle a resté un petit peu en suspens. Hein. Notre amie Simona. Il y a eu un petit coup de jus, hein, comme on dit. Elle va se faire sanctionner parce que voilà, on peut pas saisir la jambe, ça fait quand même 5-6 fois qu'elle le fait, ouais. Il est gentil hein, Kenny Luxin pour le coup parce que ça méritait un petit quelque chose. Reste bien dans son match, Emily Machu, même s'il y a une grosse réplique, hein, c'est lourd. Côté italien, notamment sur les flancs. C'est un match qui se libère, qui se débride un petit peu. Je pense que tout va jouer dans la deuxième partie en fait. Hein. À partir de la sixième reprise, c'est là que les choses en général se décantent. Faut passer la mi-combat tout simplement. Allez, les soigneurs dehors. C'est la sixième reprise de ce championnat du monde. C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. On arrive à. On dépasse la mi-combat. Donc c'est là où les choses, d'une manière générale, se décantent petit à petit. Aïe, encore une saisie de jambe. Il faut pas rester en face hein, du coup, pour Emily Machu. Voilà, il faut tourner. Il a raison, Maxence Lamourette. Et surtout, marquer des points parce que là, pour l'instant, c'est l'italienne qui est bien.
Elle est bien, hein, l'italienne, là, dans ce combat. Elle est percutante en zone médiane. Emilie qui est un peu marquée, hein, au niveau de l'œil droit. Italienne qui est plus percutante, qui cherche à cadrer, clairement. Et Billy qui est un petit peu moins bien là, hein, dans cette sixième reprise. Il en reste 4. Allez, septième reprise. Ah, l'italienne qui la prend un peu de vitesse, hein, sur les middle. Il passe bien à chaque fois, hein, le contre du point arrière. Elle est un peu ouverte. C'est une ouverture à chaque fois. Il y a peut-être quoi faire pour la française. Par contre, il faut peut-être un petit peu voilà, imposer le rythme comme elle avait fait un peu en début de combat. Parce que pour l'instant, elle encaisse, hein, sur les flancs qui sont bien rougis. Oh, l'italienne qui esquive bien, qui se met à distance. Et qui percute. Même si là, Emilie Machu se déplace bien. Et ce travail au corps à corps qui a fait mal, elle a fait mal à l'instant. Simona Didio Martello avec ses deux crochets. Et toujours, hein, ce médial qui vient à répétition. Emilie qui veut doubler, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Il faut rester dans le simple. Et dos au corps, là voilà, on lui demande de ne pas reculer. Et l'italienne qui fait un bon pressing, hein, dans cette deuxième partie, elle est bien physiquement. Allez, Emilie!
Et 8ème reprise. Alors les maisons étant en hauteur, et les gens sont sur leur terrasse et regardent. Ça c'est marrant. Je pense qu'elle a tort, Émilie. Elle devrait mettre son rythme. Voilà, être un peu plus en impulsion. Et marquer ses points, pas rester en face, parce que là, elle s'expose au point de l'italienne systématiquement. Quand c'est pas à une jambe au corps. Hein. Attends, je pense que c'est l'italienne qui marque un petit peu le pas. On a l'impression, la bouche est ouverte. Cherche à cadrer. Allez, c'est la fin de cette 8ème reprise. Le match s'équilibre encore une fois. Allez, n'hésitez pas à vous abonner hein, à la chaîne GFCT. Il y aura d'autres éditions évidemment. Signé Cédric Balmont. Il y aura une rediffusion de tous les combats. Donc abonnez-vous, il faut soutenir hein, ce genre d'action. Ça ne coûte absolument rien. Allez, 8ème reprise, donc je me suis trompé tout à l'heure. Pas grave. Elle est mieux là dans cette 8ème reprise, Émilie Machu. Elle reprend un petit peu l'ascendant avec ce fouetté au corps. Le crochet en contre. Voilà, je pense qu'elle peut elle doit travailler là-dessus. Elle doit travailler là-dessus. Pas rester dans les cordes parce que l'italienne. Elle va se faire sanctionner. L'italienne va être pour essayer une saisie de jambe, je pense. Non. Ah oui. La poche de glace était restée dans le coin. Je pensais qu'il y avait un petit quelque chose. Mais non. Échange de jambes. Italienne qui cherche toujours le corps. Qui varie peu finalement son travail. Hein. Depuis le début du combat, elle axe beaucoup. Avec ce crochet des deux mains.
Et le travail au corps. Toujours, toujours, toujours. Ce middle qui vient claquer sur les flancs d'Emily Machu. Attention. Elle est solide et je pense qu'elle est efficace en plus dans ce qu'elle fait. Fin de cette huitième reprise, il en reste deux dans ce championnat du monde. Allez, 9ème, il en reste 2, il faut s'accrocher, serrer les dents du côté d'Emily Machu. C'est vrai qu'on a deux styles opposés. Hein. Cette italienne qui claque bien avec ses middle. Hein. Jambes avant, jambes arrière. On va bien chercher les flancs. La petite pointe au plexus. Et les points qui suivent. Voilà, bien vu le coup d'œil d'Emily Machu. Et derrière, attention, hein, il y a les points qui se marquent. Je regarde, je suis toujours là parce que j'essaye de chercher un petit peu sur le visage des deux femmes qui, laquelle va craquer. J'ai l'impression qu'il n'y a personne, hein. Personne craquera. On veut cette ceinture. L'italienne est toujours bien ancrée dans le ring. Voilà, attention au clinch, voilà. C'est bien arbitré de la part de Kenny Luxin. Et c'est la fin de cette 9ème reprise, il en reste une, 2 minutes dans ce championnat du monde. Il y a de la fatigue, hein, côté français. Allez, les deux boxeuses au centre pour ce dernier round de ce championnat du monde de ISK, des moins de 48 kg dans les règles du full contact. Beaucoup de fair play, de respect entre les boxeuses. Allez, 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 allez,
tout cas, bravo à Cédric Balmont. C'est une réussite que ce sixième opus. Même le ciel a été clément, parce qu'il faut savoir qu'à 5h du matin, il y avait un orage ici et qu'il a plu. Et finalement, le temps s'est dégagé. Ah, c'est joli le crochet qu'elle vient de faire. Émilie Machu, il faut presser encore. Il faut imposer sa boxe. Son envie, il faut tout donner. Ce sont 2 minutes qui vont compter. Et l'italienne toujours dans le même registre. Hein. On travaille au corps beaucoup, beaucoup, beaucoup. Essentiellement. Simona Di Gio Martello. Qui grimace un petit peu hein, en cette fin de championnat du monde. On ne peut pas dire que les deux femmes se soient ménagées, hein, loin de là. Il y a eu un débit constant, un rythme élevé. Boxe un peu plus technique, un peu plus fluide de la part de Émilie Machu, oui. Et puis Simona Di Gio Martello qui, elle, a fait dans un registre un peu plus efficace. Ce sera au juge de décider, de trancher qui remporte ce championnat du monde. Pour ce combat, jusqu'au bout les Irlandes. Ah, c'est clair que jusqu'au bout. Pour ce titre mondial, on peut encore faire du bruit, s'il vous plaît. Encore et encore et encore. Elles ont joué pour ce spectacle, pour ce titre, pour cette ceinture. Et bien sûr, pour remettre cette ceinture, on ne peut demander qu'à une seule personne qui nous a fait l'amabilité d'être parrain de cette après-midi, de ce GFCT numéro 6. Monsieur Jérôme Le Balarcy, tu veux bien monter sur la ligne? Sans souci, nous allons appeler également l'organisateur de ce GFCT, M. Cédric Balmont. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci, mesdemoiselles, pour ce combat. Merci, messieurs, d'être là. Il va pouvoir souffler, hein, Cédric Balmont, parce que le stress a été total. Quelques mots. Qu'est-ce que vous pensez de cet après-midi? Les juges ont compté. Faites encore du bruit, messieurs, dames, c'est le dernier. C'est le dernier combat de cet après-midi. On passe à travers la pluie, c'est... il a raison le speaker. ISK avec moins de 48 kilos entre la France et l'Italie. On attend. Faites encore du bruit, s'il vous plaît. Allez. C'est le dernier, c'est la ceinture mondiale, c'est le titre. Ils comptent, ils prennent leur temps. Ah, le suspense est total, hein. Le temps de la décision. On vous remercie tous nos partenaires. Il a raison, notre ami speaker. Il faut soutenir les partenaires. Vous les retrouvez de manière assez large hein, sur les diffusions vidéo signées Axfou Productions, que j'ai découvert aujourd'hui. Je me suis régalé. C'est un retour à l'activité, j'ai envie de dire ça comme ça. Et ça a été un véritable plaisir. Le titre de championne du monde ISK des moins de 48 kilos, après décision des juges, revient en couleur rouge. Mademoiselle Simona Di Gio Martello. Hey, Simona Di Gio Martello.
prend la ceinture de champion du monde de full contact. C'est sur cette décision que je vous laisse. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux. Merci à Axwoo de cette belle production. C'est le début d'une aventure, hein, j'en suis sûr. N'hésitez pas à vous abonner sur la page du GFCT. N'hésitez pas à partager autour de vous les combats. J'ai vu une belle journée de full contact, une belle fête du pied-point. Et c'est ce que je voulais. Merci à tous, à bientôt.